Donc là, on fait des nouveautés, c'est ça? On a fait tous les boutons? On a fait tous les boutons et maintenant on a trois fois la même scène de devoir avec chacune des équipes et avec Ah une oui. boîte, Et mais on a on a aussi aussi... un truc qu'on a débloqué dans le schéma. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait du coup en premier? Déjà, on dit bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Bonjour! session de Zero Time Dilemma, toujours en compagnie de Nevia. Et bah, comme dit dans la dernière session, on a fait tous les petits scénarios qui étaient en rapport avec cet adorable bouton, dont tous les first come, first Adorable. saved, les stand-off qui arrivent à chaque fois qu'une équipe appuie sur l'un des boutons. En a résulté le fait qu'on ait un new par équipe. À côté de ça, on a également dans le flow un petit point d'exclamation ici d'une chose que l'on peut continuer, donc que l'on a unlocké d'une manière ou d'une autre. Et donc on est sur la séquence le choix de la bombe. Donc sur Outbreak ici présent. Outbreak qui a mené ensuite au puzzle de la manufacture, puis la suite d'Outbreak, puis la décision sur la bombe qui peut mener soit à un game over qui consiste à ne pas courir, et à une cinématique qui consiste à courir. Et bon, on va continuer ça. Allez, c'est parti. On va Allez. jump to here. Donc, est-ce qu'on est sur la suite d'Outbreak ou est-ce qu'on est sur un nouveau fragment? Ben, on va voir s'il y a un titre ou pas. On est sur la suite d'Outbreak, visiblement. C'est de la bombe, ça. Je sais plus qui est vivant là-dedans, je te préviens. En tout cas, Diana et Fai sont là. Il me semble que du coup, c'est une version où Sigma partait s'occuper de la bombe. Sous l'acide. Alors qu'il y avait de l'acide qui coulait, il a pris la combinaison pour aller s'occuper de la bombe et oh mon dieu! Ah, c'est ça les bras. Oh! Et l'œil. Donc c'est dans cette version-là Qu'il que ça m'appelle. donne le Sigma qui est, attention spoiler, le zéro de Versus Astro World. Oh, le pauvre me fait de la peine. Vous inquiétez pas, il va survivre. Ouais. Ça va, il hémorragit pas trop. Ouais. Genre le mec, il a quand même les deux bras en moins et un œil en moins, et il arrive quand même à marcher le long du couloir avec l'acide et tout, suite à une explosion. Ouais. Hein. C'est Sigma, quoi, c'est... jamais vu. Au tout début, si. Ah bah si, ah oui, c'est tout début. Mieux valait qu'elle meure, elle. ゼロから聞いたわ。あなたたちなんでしょう。爆弾仕掛けたの。まあいいわ。お返しにいいものあげる。あ、c'est le virus。なんだ。何を撃った。知ってるかしら？ラジカル6ってウイルス。Donc nous on a débloqué ce moment parce que on a fait la version où on gardait le Radical 6 avec Mira. Oyoso 60 oku no jinrui ga shinu koto ni naru. Omae
Nante koto. Dou? Kinitte moraeta? Watashi kara no prezento. Ai-san, matte! Alors, je sais pas comment elle est capable de faire autant de bruit, par contre, mais... Je pense qu'il y a eu un éboulement. Voilà, musique de... Musique de la détresse. Sonna... Ah, c'était bien un éboulement. Ah... Masaka konna koto ni... naru to wa na... Watashi no kono karada... Fai ni utareta Radical 6...全ては一つの事実を示している。一つの事実。この歴史の延長線上に、あの未来がつながっているということだよ。セルビラガティ。セルキアメン、アヴェルトゥザスリワード。ダイアナ、このリフト。 動かしてはならん。何言ってるんですか。早くシグマさんを病院に連れて行かないと。私のことはどうでもいい。ダメだ。お前らまで残る必要はない。ここに留まるのは私だけで。それでは意味がない。私とダイアナが上に行けば、いずれ救助隊がやってくる。そうしたら、ファイ、お前は彼らに保護されて。 だったら私を殺せ。殺してもやすんだ。今すぐ。ウィさん、それ以外に方法はない。ウイルスの拡散を防ぐには、さあ早くしろ。60億の命がかかってるんだ。そんなこと、そんなことできるわけないじゃないですか。 Peut-être baisser un peu la musique comparé à leur voix là. Diana, omae, shibun ga nani o shiyou to shiteru no ka, wakatteru no ka? Eh, wakatte imasu. Anata to Fai-san wo tasukeru desu. Et la boucle est bouclée, enfin pour cette boucle-là en tout cas. Oh là là. Donc ça va être le... l'appel qu'on avait dans Virtus of War. Oh, 6人 が死亡しました. C'est ça, je crois. 生存が確認できるのは 3名 のみです. どうして、そんなことに? 殺されたのです. 結果的には 私が C'est complètement celle-là. 殺したことになるかと. いえ、 正確に言うと、 私が殺したのは6人だけではありません。 6人じゃなくて、 60億人。 これから、 60億の、 人々が。 定めというものか。次のシグマに
希望を託そう。未来からやってくる過去の私に。De funeste et tout ça. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve vraiment l'appel qu'il y avait dans Virtuous Reward. Du coup, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient faire le 3 quand ils ont fait le 2? Bah, étant donné que le... En tout cas, le 2 suffit pas à lui-même, parce que le 2 est uniquement ce qu'on avait dit d'ailleurs à la... Ah, c'est une des fins d'ailleurs. Donc on regardera les crédits lorsqu'on arrivera à ce qu'on estime être la dernière fin, j'imagine, parce que on va les voir un certain nombre de fois. Rabbit in my future. Succès déverrouillé. The end one. C'est ce qu'on avait dit à la fin de Virtuous Last Reward, c'est que Virtuous Last Reward est un jeu qui pose énormément de questions et qui n'y répond absolument pas. Il répond à une partie, mais c'est une partie qui n'est pas autosuffisante. Et les toutes dernières scènes, lorsqu'on fait Virtuous Last Reward, enfin, pas à 100% dans le sens tous les collectifs, mais où on fait toutes les scènes, tout le flowchart pour arriver à avoir toutes les fins, bah, la, entre guillemets, vraie fin n'est pas une fin, c'est un appel à l'aventure pour dire maintenant vous avez été entraîné pour empêcher le problème qui fait que Virtuous Last Reward existe. Donc. Je pense pas que Zero Time Dilemma ait été complètement fait lorsque Virtuous Last Reward a été fait. Par contre, clairement, je pense que c'était prévu que ce soit quelque chose en plusieurs parties et une série, en tout cas. Contrairement au 1, où le 1... Plus autosuffisant. Et il y a quand même des points qui sont soulevés qui ne sont pas répondus, notamment tout le côté religieux avec Free the Soul et tout ça. Qui est légèrement amorcé dans 999, mais ça pourrait très bien être juste un point qui reste flou parce qu'il n'est pas non plus extrêmement développé dans les autres épisodes. Enfin, on en parle beaucoup plus dans les autres épisodes de Free the Soul et du fight en fait entre les organisations secrètes et machin, mais ça pourrait très bien exister sans, au final, en termes de principes et de philosophie. Donc. Oui, 999 est beaucoup plus indépendant, on va dire, mais après, Virtuous Last Reward est plus quelque chose qui sert à initier une transition qu'autre chose. En tout cas, on a terminé Outbreak avec cette dernière scène. Yep. Et on a eu une nouvelle fin. Oh, est-ce qu'on va avoir un nouveau logo ? Une petite icône, oui. Petite icône. Biohazard. Pas très positif, mais bon. Ouais. Est-ce que... Moi, j'avais une question. C'est pourquoi ça a été débloqué dans le flowchart, tu veux dire ? Ouais. Alors, ça, c'est vrai que, pour le coup, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui... c'est pas fini, hein. Oui, j'avoue, c'est genre... Circle of Fate 1. Donc, apparemment, il y a d'autres choses qui vont arriver. Peut-être qu'après avoir débloqué une autre fin, il y a un deuxième Sigma qui arrive pour dire « Hey, finalement, c'est bon !» Mais en tout cas, c'est vrai que peut-être que ça a été affiché, mais qu'on ne l'a pas vu. Il y a une question de pourquoi est-ce qu'on a eu d'un coup ce point d'exclamation. Ce que j'imagine, c'est que pour avoir ce point d'exclamation, il faut avoir fait ça. Mm-hmm. Donc il faut avoir fait Outbreak, parce que c'est dans Outbreak. Ouais. Arriver ici, faire le choix de Runaway, pour avoir cette case-là qui est avec le cadenas. Et pour avoir le point d'exclamation à la place du cadenas, ce que j'imagine, parce que j'en suis pas sûr, c'est qu'il faut avoir fait... Alors je sais pas de... Où est-ce que c'est... C'est pas ça. Donc c'est peut-être ça. Voilà. Il faut avoir fait Radical 6 et avoir fait ce choix-là, Dant Inject. Ah, ouais, ouais. Pour arriver à une version, justement, où on se retrouve avec une Mira qui a la seringue, les gens qui sont placés, et se retrouver avec tout ce qu'il faut. Alors, du coup, par contre, ici, on voit qu'on a fait quand même toutes les cases qu'il y a avant, les deux cadenas, donc là, pour le coup, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Une branche, peut-être et celle-là. Pareil pour ici, on a toutes les cases qui sont avant, donc clairement, c'est différent. Alors là, n'en parlons même pas de celle-là. Donc voilà pour Outbreak.